Le FESPACO, principal festival du 7e art en Afrique, qui devait se tenir fin février au Burkina Faso, a été reporté comme le festival de Cannes ou la Berlinale, dans un contexte de rebond de l'épidémie de Covid-19 en Afrique de l'Ouest. Le Conseil des ministres burkinabé a adopté la décision de reporter la tenue du FESPACO à une date ultérieure, a déclaré le porte-parole du gouvernement Ousseyni Tambura lors d'un point presse vendredi dernier à Ouagadougou, le Burkina Faso, où 10 423 cas de Covid ont été confirmés depuis le début de la pandémie pour 120 décès, connaît comme le reste de l'Afrique de l'Ouest une deuxième vague plus importante que la première. La cérémonie de nomination aux Golden Globe a débuté tôt mercredi matin à Los Angeles, inaugurant une tardive saison des récompenses cinématographiques à Hollywood, chamboulée par la pandémie de Covid-19. Les annonces effectuées virtuellement, entre autres par l'actrice de Sex and the City, Sarah Jessica Parker, doivent donner le ton pour les semaines à venir. L'absence de pointure dans cette édition très particulière, entre fermeture des cinémas et report de grosses productions traditionnelles à cause du coronavirus, pourrait faire le jeu de longs métrages produits par les plateformes de vidéo à la demande comme Netflix, Amazon Prime et Apple, que beaucoup comptent parmi les favoris avec les sets des Chicago, Monk ou le Blues de Ma Rainey. Les récompenses seront remises dès le 28 février à l'occasion d'une cérémonie virtuelle à Beverly Hills, avec là encore près de 2 mois de retard sur le calendrier habituel. Emprisonné 3 fois en 6 mois pour des tweets dénonçant le pouvoir zimbabwéen, le journaliste Opoel Chinono a répété qu'il ne céderait pas. Il a désormais choisi un air de reggae pour poursuivre sa croisade avec humour. Le provocateur au visage impassible jubile l'étincelle au coin de l'œil, le trahit sur la courte vidéo qui fait circuler depuis dimanche. Ce fan de Bob Marley chante en boucle « Dem loot, il pille », dont le couplet liste les effets désastreux de la corruption d'État sur la vie des profs, des soignants, sur l'état des routes. Le clip devenu viral a engendré sur Twitter un hashtag, un Dem Loot Challenge, les internautes se mettant spontanément à adapter leur propre version de la rituelle, ritournelle, allais-je dire. Le lanceur d'alerte, primé plusieurs fois pour son travail journalistique, chante un mélange des pidgins jamaïcains et de shona, principale langue du pays. Le journaliste avait été arrêté une première fois en juillet pour avoir appelé à manifester contre la corruption, puis en novembre par un tweet sur un trafic d'or impliquant les membres de l'élite politique. En attendant son procès, il a été sommé de remettre son passeport et les titres de propriété de sa maison à Harare. Le tribunal lui interdit aussi d'utiliser son compte Twitter pour inciter à manifester. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est tout ce qu'on avait prévu pour vous dans Culture Hebdo de cette semaine. Bon week-end à vous et bon week-end à tous vos proches en compagnie de VO Afrique.